Bonsoir, ici GameCube King et bienvenue dans un nouvel épisode, même si celui-ci de Walkthrough sur Metroid Prime 2 cause. Pour l'histoire, il sera pas très utile. Nous avons donc nos petits zombies. Oups, déjà. Oui, bon, même sont des créatures contrôlées par les Zing, même Orient Sombre, il faut que 4 tiers pour les avoir, donc. C'est pas de la haute puissance, hein. Oui, bon, non. Attends, sauvegarder, par contre, j'ai pas fait. Si, je l'ai fait. Je l'ai fait, si. Les airs d'Agon, c'est pas pour ce que ça. Voilà, faites un peu chier. Bon. Parce qu'il y a quelques petits bonus à vous montrer. L'intérêt de revenir dans ces petites pièces sous-avancées. Le premier est cette réserve de missiles. Parce que je vous montre pas le jeu à 100%. Mais je vous donne quand même des indices et des indications. Pour que vous puissiez, si vous êtes un peu débrouillard, et si vous avez un peu le courage de chercher, finir tout seul. Bon, donc là... Oui, donc nous verrons nos petits emmerdeurs favoris. Hein. Bonjour. Au revoir. Et c'est ainsi que c'est fini, voilà. Bon. Pour ces deux-là, tout du moins. Parce que ça réparaîtra à chaque coup, hein. C'est le classique jeu vidéo. Vous savez que le nombre de soldats de l'FG était limité quand même, mais le nombre de zombies il va être illimité. C'est la grande magie du what the fuck, ça. Dans tous les jeux vidéo, c'est ça d'ailleurs. Vous pouvez revenir dans une pièce autant que vous voulez. C'était le cas surtout sur certains jeux comme les vieux Zelda. Les vieux jeux Zelda. Vous pouvez ainsi vous taper un génocide de monstres complet, mais il en manquera jamais. Oh, il s'est mitraillé celui-là. Chère habitude de ce cadavre là, voilà, de celui là, voilà, nous aimons bien les tirer dans les pieds pour le faire tomber, nous aimons bien faire cela. Voilà, avec les portes ouvertes là. Voilà nos chers soldats morts là. L'interface d'ailleurs elle sert plus à rien, je crois bien. Oui, voilà, l'unité désactivée, la porte est bloquée, oui. Tant qu'elle est bloquée en ouverte, on s'en fout. Nos ouvriers, donc, qui ne sont dangereux que si vous les touchez. Ils chercheront pas à vous attaquer. Bon, cet épisode va être court, par contre. Hein. C'est juste pour les petits bonus de cette grotte-là, quoi. Donc, il n'y a rien de bien. Cet épisode-là, vous pouvez même, si vous voulez juste rusher l'histoire, vous en passer. Voilà. Quand vous étiez venu, vous n'avez pas vu cette chose. Et même si vous aviez cherché de toutes vos forces en étant omniscient, vous ne l'aurez pas trouvé non plus, parce qu'il n'y était pas. Et quand vous revenez, donc après avoir fait le premier temple, que vous revenez, cette chose est apparue. Voilà, donc vous avez... Vous dites c'est un simple zombie, sauf que cet enfoiré... n'est pas équipé, comme ses autres fumiers de frères, d'un rayon de puissance, mais d'un lance-missile. Car il s'agissait, comme soldat de la FG, non pas d'un simple soldat équipé d'un power beam, mais d'un soldat artilleur. Comme vous pouvez voir, donc, il n'a pas de rayon de puissance, par contre, il a un lance-missile. Hein, d'ailleurs... Voilà, équipé d'un lance-missile, donc. Et qui a une armure plus résistante que ses camarades, faut croire. Puisque ses autres camarades, regardez, hop... Et c'est pas Ling qui contrôle qui est plus fort, j'en suis sûr, puisque on va faire le test. Les missiles, non, voilà. Bon, vous avez à le faire comme ça, bon. Si vous touchez qu'un missile, il vous fait 10 dégâts. On va laisser vous tirer dessus d'ailleurs. Hein. Voilà. Voilà, donc il vous tire des salves de 2 ou 3 missiles. Voilà, donc il n'est pas vraiment balèze, hein, c'est. Voilà, et vous tirez des fois des salves de 3 missiles aussi. Voilà, surtout 2 en fait. Bon, il a rien de vraiment balèze. Hein. Tiens, d'ailleurs, les petites vannes qui mettaient du gaz là. Voilà, bon, je m'en fous un peu en fait. Là, je le snob un peu. Voilà, bon, ouais. Mais intéressant, mec. Ouais, mais c'est intéressant. Mais oui. Coucou.
Ah, voilà, bon, il a tiré 3 missiles. Au corps à corps traditionnel, voilà, il vous fout une pêche dans la gueule. De 5 dégâts, je crois, voilà. Donc s'il vous cogne, il vous fait 5 dégâts. Et si un de ses missiles vous touche, il vous fait 10 dégâts. Donc 5 à 10 dégâts. Donc c'est pas vraiment... Bon, allez, maintenant on va arrêter de faire les cons là parce que sinon... Voilà, il prend feu en plus là. Au bout d'un certain nombre de tirs, une bestiole prend feu. Voilà. Et là, pour le fun, on va le finir au dark. Et voilà, il est gelé là. Il est gelé, il peut plus rien faire. Donc là, la solution, une fois qu'il est gelé, un petit missile et on va finir. Hein. Voilà. Et la récompense se trouve là. La récompense pour avoir battu cette merde, c'était une petite réserve de missiles. Donc, si jamais vous n'avez jamais vu cette bestiole et qu'il vous manque une réserve, voilà, ça peut être utile de retourner dans les premières pièces du jeu. C'est même recommandé. Bon. Oui, bon, si vous voulez, écoutez, aucun problème pour les bestioles. Bon. Ton tu vas crever. Voilà, on s'en fout. Oh. Coucou. Ta pauvre dépouille écrasée. Et là, on va se le faire pour le fun, allez. Un peu de fun quand même. Voilà, trois petites bombes et il s'est viandé. Et il fallait bien un peu de fun quand même. Oui, ça on sait, on est vraiment heureux. On est vraiment content pour vous là, bestioles. Bon, ouais, allez. Passe en boule morphing parce que c'est plus rapide là. La porte là qu'il y a là, c'est pas la peine d'essayer de la débloquer. Je la scannerai pour vous après. Enfin, je la scannerai, je sais ce que ça va dire. Qu'elle est trop endommagée. Voilà, il va vous dire, déférence, unité désactivée, la porte est bloquée. Bon, c'est le truc classique, c'est-à-dire, ça marche pas, c'est bloqué. Voilà, c'est le truc classique, ça encore. Point, 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 voilà. La musique qui essaie de vous faire flipper, si vous avez moins de 5 ans. En fait, c'est vraiment pour vous faire flipper, je pense. C'est pas vraiment pour ça, c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Ouh, ah, je me suis mis dans les jambes. Pas bon. Bon. Ouais. Ah, voilà. Bon, j'ai joué un peu maladroit là maintenant parce que je tiens ça avec une main maintenant. Puisque là, j'ai des fourmis dans les jambes. Une atrocité. Bon. Jouer une main, c'est pas facile, mais bon. Oui, non, peut-être, oui, allez. Voilà. Donc, si vous réanalysez votre vaisseau, bah non, il l'a pas fait. Mais des fois, ça indique qu'il a des réparations en cours. Donc, là, cette chose-là, rayon sombre ne sert strictement à rien. Pardonnez-moi. Ce qu'il faut, rayon de lumière. Le dernier rayon ne servira à rien non plus. Voilà, donc ça sert juste à faire ça, voilà, pour. Bon, cela, voilà. Excusez-moi. Chier. Dur de jouer à une main quand même. Bon, vous pouvez donc scanner ce luminote. Et là, vous pouvez passer, mais il n'y a aucun intérêt, puisque la porte suivante, c'est une porte à super missile que vous n'avez pas encore. Bon. Voilà. Et donc. Et avec A, vous pouvez repasser au viseur de combat avec A, la touche de tir donc. Cet épisode était assez court, je dois l'avouer, mais c'était plus un épisode de bonus pour le LOL. Voilà, donc le vaisseau vous recharge énergie et sauvegarde comme les unités de sauvegarde, mais vous rend les munitions en plus. Bon, merci d'avoir regardé pour ceux qui l'ont fait, pouce vert et abonnement, et à bientôt, merci.